la différence entre le foot marocain et le foot tunisien? Je l'ai dit à ma entreprise, le football tunisien est le plus... Je m'en coule au bouton, c'est Akhbath. Le joueur tunisien Akhbath, le joueur marocain. Peut-être parce que maintenant, on a affirmé le jeu italien. Parce que maintenant, au départ, il n'y avait pas les billes, les lignes. On voyait tout le football italien. Le football italien, c'est trop défensif, il y a des barchamalises. Il y a des trucs que le match fomche ou monsieur fomche le hakam qui le font. C'est comme ça maintenant qu'il... On appelle ça des haramiettes. Haramiettes. Et le football, il est fait comme ça. Merci. Salam alaikum, alaikum salam. C'est quoi ça? Donc tu préfères gagner peu importe la manière? Non, mais au final, tu dois gagner. Essayer de la manière, mais il faut être aussi malin dans le jeu. Comment bloquer un joueur? Comment il y a des fois maintenant, le maîtriser, etc. Pas madame. J'ai le cours en Nigeria. La France, elle a remporté la Coupe du Monde. Parce que l'autre équipe a mis de faute tactique au milieu de terrain. Tu crois que la France était la meilleure équipe? Pas du tout. Mais c'est un entraîneur qui était dans le poste. Il était un joueur qui joue sur le milieu défensif. Il connaît comment tirer les épingles du jeu. Ce qu'il a fait maintenant à la Coupe du Monde avec ce joueur, ils ont énormément fait de fautes tactiques. Ça marche. Ça marche. Ils ont remporté la Coupe du Monde. Ils vont me dire, c'est le résultat qui compte en fin de compte. On oublie les beaux jeux. On oublie X. Et pour moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais je suis très courageux. Courageux. Parce que, pour moi, le cours, c'est un spectacle.